C'est dramatique parce que ces gros poissons sont des reproducteurs. J'ai vu des carpes qui devaient faire au moins 30 kilos, hein, de la taille d'un veau, pour donner une image. Tout ce qui est amoureux de la nature, de près ou de loin, dans le coin, attend avec impatience les résultats des analyses, qu'on ne connaît toujours pas. Ce qui me fait bien sourire jaune, puisque quand on va faire une prise de sang, en général, on a les résultats le soir même. Et là, une semaine après, on ne sait pas. Je me trouve au niveau du canal du Loing, à Bagneux-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Depuis une semaine, des pêcheurs se sont rendus compte que ce canal était fortement pollué et que des milliers de poissons étaient morts. Un arrêté préfectoral a été pris pour demander de ne plus y pêcher ni d'y abreuver ces animaux. Et une enquête a été ouverte par le parquet de Fontainebleau. Vous voyez, il y en a partout, hein, un petit poisson. Il y en a partout. La pollution serait à base de saccharose, du sucre. Mais... Tout le monde dit no comment. Au bout d'une semaine, on est un peu mauvaise quand même. Au nom de l'association Groupe écologique de Nemours et des Environs, nous allons porter plainte cette semaine. Et on va être très attentifs sur les jours et les semaines à venir pour savoir là où il faut chercher, de façon à ce que ça ne se reproduise plus, ni ici ni ailleurs. Ce n'est pas les petits poissons qui continuent à mourir là, apparemment. Hein, il y en a tout un tas à la surface. Ce qui nous a nous le plus interpellé, c'est donc les gros. Nous avons vu des très gros poissons, ça va poser beaucoup de problèmes pour la reproduction. Et à certains endroits, comme juste ici, l'odeur est très forte. Alors ça, c'est de l'hydrogène sulfuré, donc c'est l'odeur de putréfaction. Il y a une odeur pestilentielle, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils ont ouvert dans l'écluse, tout en sachant qu'on émet quand même quelques réserves sur où va aller la pollution, qu'on ne connaît toujours pas, comment elle va se diluer suffisamment ou pas. En effet, la préfecture a décidé de purger 4 bièvres sur une période de 25 jours environ. La vidange a démarré le 1er novembre et on compte déjà près de 3,5 tonnes de poissons morts retrouvés. Aujourd'hui, on a sorti 60 kg de poissons ce matin environ. Demain, on va recommencer, ainsi de suite, c'est tous les jours comme ça, quoi. La préfecture, elle a décidé pour l'instant de vider le canal. Et à la suite de ça, on va voir s'il y a des poissons morts au fond qu'il va falloir enlever et puis nettoyer, recharger après en eau. En ce qu'on peut dire en eau propre, pour pouvoir par la suite remettre du poisson dans plusieurs semaines, voire mois. Depuis la découverte de ce drame écologique, le maire de la ville, Claude Jamais, se rend au canal 2 fois par jour et ne s'en remet toujours pas. L'émotion, elle est toujours là, mais c'est surtout une fatigue, une très grosse fatigue. Et puis de rencontrer ces pêcheurs, rencontrer tous ces cadavres, tous les jours, ça s'accumule et au bout d'un moment, ça commence à être lourd. Je sais bien que je suis maire d'une petite commune, mais connaître un désastre pareil, écologique, c'est quand même dur à gérer.